Adhésion non à FCC, professeur Eli Kambuku, écoutez combien. Ah, tu veux adhésion, eza na kombo nanga. Naibisayo. Billet ya avion, on a outi nango na pote na komawa, na bimisi nango na poche nanga. Et si kanaza ko vanda, eza na hôtel te, eza na ndaku nanga, eza na kisuka. Biloko naza ko lia, eza na mbongo nanga. So batu ba yebite, musala na salaka, eza musala munene te. Na Paris, na Silisi Mosala, professeur des universités de classe exceptionnelle. Et lingolo bate na likolo nanga motoazate. Bon, vous connaissez nazan imbon. Donc, tete, wanezale kama mounene. Hein? Mm. Na ye awa, bandanda kunanga ti awa, na motuka nanga, na chauffeur nanga. Bilamba na lati eza yanga. Soko moutalobi nengo na tumbo na, aso finganga nengo mokwa mabe. E pa na yekola, na bimboli mikolo nyonso. Na bimboli mikolo nyonso. Monsala na sali e bimi. République française a Pessinga, légion de la a Pessinga chevalier de la légion d'honneur. Na foute loko mokote. Bon na monsala na zali na kita na kozwa nini. Na kozwa nini o ezanginga. Nazana ndaku na Paris na sombiango. Nazana ndaku na Kinshasa na sombiango. Nazana mabele na Kinshasa na Kimpoko na sombiango. Sobo lo bilayo na zoma lokwa bazo finganga. Professeur, comment expliquer aux autres que nous signons charte il y a FCC, sans qu'on connaître dauphin, nous avons signé acte. Ben, nous avons signé acte parce que nous avons dit, nous avons dit acte, nous avons dit que nous avons continuité, nous avons dit que nous avons dialogue de la cité africaine, de la cité de l'Union africaine. Bonsoir et bonjour à tous les compatriotes congolais et aux Africains et à tous les téléspectateurs qui vont suivre ce bref message. Je m'appelle Jemadari Vibikil Kilele. Je suis votre compatriote. Je suis natif de Chabunda, dans la province du Kivu. Je dis bien le Kivu, pas le Kivu de Pessimis. Je suis de la tribu Lega. Ne parlons pas de tribu ici. J'ai deux points. Le premier, je voudrais m'adresser à M. Elikia Mokolo, professeur d'histoire. Et puis je veux parler du régime qu'ils font au Congo. Et surtout d'un message d'outre-tombe que j'ai reçu des ancêtres. Je vous salue, compatriote Elikia Mokolo. Vos parents vous ont donné un nom très significatif dans la langue Lingala, une de nos langues au Congo. Si je ne m'abuse, signifie l'espoir ou l'espérance. Les Congolais espèrent que chacun de nous contribue au développement du pays, que ce soit matériel, religieux ou intellectuel. Ce sont des aspects, certains des aspects du développement. Cet espoir que vous incarnez devait nous imprégner nous tous. Et je dois vous dire, chers compatriotes, que le monde, ce monde dans lequel nous vivons, a été développé et a été transformé et continue à être transformé par ses habitants. Pas avec des titres académiques, pas avec des diplômes, mais avec certaines valeurs, telles que la conscience, telles que la morale, la compétence,
l'honnêteté, la loyauté, etc. Ce ne sont pas des diplômes qui ont transformé le monde. C'est la conscience d'abord, la compétence et un peu l'amour, la passion, je voudrais dire. Je pense que ceci ne va pas s'apparenter à la passion de la personne que vous avez et vous êtes en train de soutenir, Hippolyte Kadjambere Kaname, qui a osé parler de la passion. La compétence, l'amour, l'honnêteté, etc. La conscience surtout, et la passion, comme je le disais, pour ne pas me répéter, ont développé le monde et continuent à le développer. Ce ne sont pas des titres académiques. Les grands leaders chinois, Mao Tse-tung, est mort. Il a laissé un grand pays entre les mains de ses compatriotes. À moins que je sois ignorant, Mao Tse-tung ne détenait aucun doctorat, aucun diplôme de doctorat. Sa conscience, son patriotisme, une de valeur, le patriotisme, ont fait que la Chine devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et Mao Tse-tung n'est pas le seul leader. Je sais qu'ils sont rares, ces leaders-là, qui ont contribué au développement de leur pays. C'est tellement ahurissant, mon compatriote Eli Kiamokolo, qu'on vous voit, vous, professeur d'université, de renommée internationale, comme nous le lisons sur la toile, qui vient s'époumoner devant le média, sans doute parce que vous étiez acculé par le panel des journalistes. Vous vous êtes mis à vous époumoner pour raconter des bobards. Très chers compatriotes, le Congo n'a tellement pas besoin de vos titres académiques. Parce que feu président Mobutu Sese Seko était entouré de grands intellectuels comme vous, qui ont amené le pays à la dérive de là où nous sommes aujourd'hui. Hippolyte Kadjambere Kaname est entouré par un aéropage de ce soi-disant intellectuel détenant des grands diplômes. Tridoc, bidoc, docteur en ceci et en cela, mais dont les titres n'ont pas fait preuve de la détention de ce valeur que je viens d'énumérer, le patriotisme, donc l'amour du pays, la loyauté, la compétence, l'honnêteté, la moralité, etc. Ils ont corrompu l'esprit de Maréchal Mobutu comme ils corrompent l'esprit du renégat rwandais Hippolyte Kagame Kaname. Le Congo attendait de vous un autre discours et non pas cette bassesse que nous avons vue débiter de vos lèvres. Et je vais vous paraphraser. Vous dites ceci: j'ai pris l'avion de France jusqu'ici. Quand je suis descendu de l'aéroport, c'était mon argent qui a payé les billets. Je suis arrivé avec ma voiture.
mon chauffeur. Je ne suis pas nourri aux frais du gouvernement. J'ai une maison. J'ai intérêt. Je ne sais pas Kizuka ou Kimazeke. J'ai acheté une maison à Paris. Bon, etc. Plein de salades que vous racontez. Naibisayo, billet à avion. On a outi nango na pote na komawa na bimisi nango na poche nanga. Et si ka naza ko vanda eza na hotel te, eza na ndaku nanga, eza na kisuka. Biloko naza ko lia eza na mbongo nanga. Na ye awa banda ndaku nanga ti awa na motuka nanga na chauffeur nanga. Bilamba na lati eza yanga. Soko mutalobi nango na tumbona aso finganga ndenge moko a mabe. Monsieur, cela n'est tellement pas très important à la population congolaise. En tant que professeur dans un pays organisé, on suppose que les salaires qu'on vous paye doivent vous aider à vous acheter une maison. Ce n'est pas spécial, ça. On suppose que les salaires qu'on vous paye vous donnent droit à acheter une voiture pour assurer votre mobilité afin de pouvoir prester vos services dans n'importe quelle école où vous êtes engagé et faire d'autres affaires. Donc ce n'est pas spécial. Ce qui est spécial et qui devait être spécial en vous, c'est le patriotisme, c'est la conscience. Ne venez pas nous parler des universités de France, les Congos, ce n'est pas la France. Où vous osez dire, j'ai été décoré de la Légion d'honneur par la République française. Je suis professeur des écoles exceptionnelles. Par conséquent, l'Ikolo Nangai, c'est ça, ce sont vos gestes, hein? L'Ikolo Nangai, Kuna, Atamutu Mokwazali Kunate. Na Paris, na Sirisi Mosala, professeur des universités de classe exceptionnelle. Et l'ingolo batena likolo nanga motuazate. Bon, ça signifie, même le président français n'est pas au-dessus de vous. Ça signifie, même certains savants français que nous connaissons ne sont pas au-dessus de vous. Et vous qui croyez en Dieu, je pense que vous croyez en Dieu comme tous les Congolais en majorité, vous aussi, votre Dieu, dites qu'il est en haut, il n'est pas au-dessus de vous. Parce que vous avez dit, du kolonanga au-dessus kuna, atamutumo kwa zalite. Voilà ce qu'on appelle un intellectuel congolais et africain. C'est tellement honteux. Monsieur Elikia Mbogolo, vous savez ce qu'on appelle un intellectuel? Ce n'est pas les diplômes. Ce n'est pas l'académisme. Ce n'est pas ça l'intellectuel. Ce n'est pas ce que vous dites. Je suis professeur de classe exceptionnelle. Eh bien, l'exception ou l'exceptionnalité doit sortir de votre conscience, de votre patriotisme et de votre honnêteté intellectuelle. Un intellectuel, monsieur, c'est la torche du monde. Un intellectuel, c'est la lumière. Un intellectuel, c'est celui qui porte le flambeau, qui doit illuminer la masse qui est dans l'obscurité et doit arrêter l'obscurantisme. Le Congo est dans l'obscurantisme. L'Afrique est dans l'obscurantisme. Nous sommes plongés dans l'obscurité depuis longtemps. Il est du devoir de nous qui nous appelons intellectuels, d'allumer le flambeau et de le tenir dans nos bras ou dans nos mains. Que cette main soit gauche, que ça soit droite, une main c'est une main. Celui qui porte le flambeau guide la masse qui est derrière. Vous marchez sur un sentier la nuit, vous qui avez la torche, vous voyez mieux que ceux-là qui sont derrière. Et vous pouvez leur dire, suivez-moi, tout est assuré. Attention, nous voulons traverser un ruisseau. Nous voulons traverser un pont. Attention, il y a une colonne de fourmis. Attention,
tenez-vous main dans la main parce qu'il y a une précipice à gauche ou à droite. C'est ça qu'on appelle un intellectuel. Ce n'est pas quelqu'un qui plonge la majorité ou la ligne indienne derrière lui dans des précipices, dans un gouffre, ou qui les aveugle. Ce n'est pas celui-là qu'on appelle intellectuel. Vous vous rappelez à l'époque quand Mobutu s'appelait ou se faisait appeler le guide éclairé. Eh bien, si Mobutu était éclairé, toute la lumière de Mobutu devait éclairer tous les Congos et nous ne serions pas là où nous sommes. Mais c'est parce que nous embrassons des titres inutiles et très pompeux. Ceux qui espèrent les Elikia de vous, l'espoir de vous, sont toujours dans l'obscurité. Monsieur Elikia Mokolo, c'est une grande honte. C'est une déchéance intellectuelle. Pour vous, professeurs de classes exceptionnelles, qui doivent vous laisser corrompre par un imbécile, je dis bien, un imbécile, entouré d'une clique d'idiots utiles. Vous quittez votre chaire universitaire et vous venez apposer votre signature sur un document de la charte d'occupation de votre pays. Dites-moi, très cher frère, êtes-vous un intellectuel? Avez-vous la lumière? Êtes-vous en train d'illuminer la grande étendue congolaise? Vous êtes suspect. Je vous suspecte de la corruption. Je vous suspecte de la traîtrise. C'est un terme juridique que j'utilise. Si c'était vulgaire, j'allais vous dire que vous êtes corrompu, vous êtes traître. Mais vous êtes jusque-là encore à un niveau de suspicion. Vous vous êtes ravalé au niveau d'illettré. Je vois encore le documentaire La mémoire du continent ou La mémoire d'un continent qui parle de vous, qui parle de vos œuvres. Monsieur Elikia Mokolo, l'Afrique a connu des intellectuels qui se sentent illustrés dans leur engagement à la cause de la masse, à la cause de leurs compatriotes. Et je vais vous en citer certains qui ne sont pas de votre pays, mais qui sont africains. Je ne cause pas une rivalité parce que nombreux, parmi les deux ou les trois que je vais citer, sont déjà morts. Monsieur Elikia Mokolo, vous connaissez Cheikh Anta Diop, anthropologue, historien comme vous, linguiste, mathématicien, physicien, etc. Malgré la gloire qu'il a pu glaner à travers le monde, à cause de son engagement à la cause humaine, et à la dignité de l'homme noir qui était écrasé par les mensonges et la distorsion historique et anthropologique de l'occidental. Il avait sa chaire universitaire, il s'est engagé à la cause de la défense de l'homme noir jusqu'à créer un parti au Sénégal qu'on a appelé Bloc de Masse. A défendu les valeurs africaines. Et il est resté constant. Vous ne l'êtes pas, monsieur Elikia Mokolo. Lisez la thèse de Cheikh Anta Diop. Et je pense que vous l'avez lu. C'est une présomption, mais en tant qu'intellectuel, comme vous dites, vous devez l'avoir lu et peut-être vous l'avez chez vous à la maison. Vous connaissez sa grande thèse
l'intériorité des civilisations nègres. Ça dit tout. C'est un risque intellectuel qu'il a pris à l'époque, dans les années 55, pour défier le mensonge de la suprématie de celui qu'on appelle l'homme blanc. Il a osé. Et aujourd'hui, on le glorifie pour avoir osé. Il n'a pas épousé les thèses dévergondées de la diffamation et de la déformation de l'histoire et de l'anthropologie de l'être humain. Je dis bien l'être humain, un seul être. Parce qu'il n'y a que le noir qui a existé. Le soi-disant blanc, c'est une ramification de notre race. Monsieur Lucas Mokolo, Cheikh Anta Diop a publié beaucoup d'ouvrages où il a défendu loyalement les valeurs africaines. Il ne s'est pas prostitué intellectuellement et jusqu'à sa mort. C'est un Africain comme vous. Monsieur Elikia Mokolo, vous connaissez l'écrivain nigérien Wole Soyinka. Lisez les livres de Wole Soyinka. Certains de ses livres, de ses romans, de ses pièces théâtrales ont été traduits en français, je pense. Mais en tant qu'intellectuel, comme vous vous dites, vous pouvez aussi accéder à une autre langue, bien que vous ne la maîtrisez pas tellement, peut-être, l'anglais. Lisez les œuvres de Wole Soyinka et voyez comment il défend les valeurs africaines et voyez comment il s'attaque aux régimes dictatoriaux qui se sont succédés aux Nigériens à l'époque des coups d'État en série. Wole Soyinka, pour avoir dit non à la dictature, a été jeté dans des geôles, dans des prisons plusieurs fois. Une de ses œuvres s'intitule en anglais A Season of Enemy. Lisez l'œuvre et vous me direz quoi. Toujours au Nigeria, l'un des écrivains est mort il y a de cela des 3 ans. Chinua Achebe, qui était professeur comme vous, il est mort aux États-Unis et son corps a été rapatrié sur notre continent, en Afrique. Lisez son livre intitulé Un livre. Il a écrit beaucoup et même des poèmes. C'était un professeur de mathématiques et de physique, mais qui est entré dans la littérature. Il a écrit le roman Things Fall Apart. Le monde s'écroule. Où il a dénoncé l'intrusion et l'invasion de la culture occidentale dans la culture africaine. Et les exemples sont les gens, ma chère compatriote Elikia Mokolo. Vous faites la honte des intellectuels africains. Quand vous devez prendre votre avion et vous venez poser votre signature sur un document de la balkanisation du Congo, du démantèlement du Congo, de l'humiliation du Congo, de la spoliation de nos biens, de la paupérisation de vos propres compatriotes, et vous venez, vous dites, écoutez, les alliés comme on a gagné des alliés wana. Oui, nous vous les concédons. C'est votre volonté. Mais monsieur Elikia Mokolo, Mobutu était votre compatriote de la même région. Nous ne vous avions jamais vu à l'époque de Mobutu, même pas un conseiller à l'éducation. Quelle mouche vous a piqué aujourd'hui pour venir vous associer
à une bande de criminels qui tuent vos compatriotes. Parce que vous étiez. Alors qu'à l'époque de Mobutu, vous seriez nommé même ministre de l'éducation, ou peut-être recteur de l'université, ou tous les titres que vous pouviez avoir, vous vouliez désirer à l'époque de Mobutu, vous alliez les avoir. On ne vous a pas vu, on n'a pas entendu parler de vous. Du coup, parce que vous allez petit à petit vers la retraite, vous voulez récupérer les temps perdus, comme Herman Cohen, l'Américain juif qui est en train de flatter les Congolais, en train de parler de Bemba et de tout le monde. Vous voulez récupérer les temps perdus pour peut-être être nommé ministre en dernière minute. Il n'y a pas de preuve que les billets d'avion étaient payés par vous. Il n'y a pas de preuve que tout ce que vous citez et que vous avez ont été payés par vous, parce que le pouvoir et le régime machiavélique installé au Congo a donné beaucoup plus d'avantages, beaucoup de largesse à des hommes comme vous qui sont inconscients, parce que vous êtes inconscients. Monsieur, il y a quelques années, je vous parle en tant que un ressortissant du Kivu, monsieur, mais je voulais juste vous dire qu'il y a quelques années, je vous ai suivi sur RFI, où vous épousiez la thèse de l'Est du Congo comme faisant partie de l'ancien royaume ou empire du Rwanda. Je ne sais pas comment est-ce que... Qu'est-ce qui vous a excité pour faire de telles déclarations? Alors ça ne m'étonne pas qu'après des décennies, que vous rejeigniez une clique de malfrats qui maltraitent les Congolais au pays. Vous voulez me pousser à soupçonner que vous êtes Rwandais, monsieur? Parce que si vous n'étiez pas Rwandais et que vous aviez votre conscience intellectuelle, vous n'alliez pas prendre l'avion et venir soutenir la tragédie de votre pays. Je pèse bien mon mot. Je dis de la tragédie de notre pays. Vous habitez la France. Peut-être vous maîtrisez mieux le français que moi. Et vous connaissez ce que je veux dire par la tragédie d'un pays. C'est tragique au Congo. Et vous, vous voulez venir jouer la comédie au Congo et chercher à vous défendre bec et ongle que non, ben, je l'ai fait de mon propre chef. C'est ma volonté, c'est mon désir, mais tant mieux. C'est votre désir, mais c'est contre l'espoir que vous incarnez. Elikia, en tant que fils du pays, vous incarnez un espoir. Ce n'est pas ça que les Congos et les Congolais espèrent de vous. Ce n'est pas la déchéance. En apposant cette signature là-bas, vous avez tout chamboulé. Qui va encore vous considérer comme étant un intellectuel? C'est une déchéance. Et vous êtes en train de nous donner une image d'un prostitué politique de dernière ère, de la 13e ère d'ailleurs, parce que nous connaissons 12 heures par jour. Vous êtes un prostitué politique de la 13e ère. Vous veillez encore nier si vous restiez chez vous en France et gardez la chaîne universitaire. Vous venez faire quoi au Congo? C'est vous qui faites la honte des intellectuels africains. Vous, les Mocha, les Mova, vous êtes nombreux. Vous n'êtes que des déchets intellectuels à jeter dans la poubelle de l'histoire. Les ancêtres nous ont légué les Congos et nous avons le devoir
de le défendre contre vase et marée. Et vous, vous venez trahir le Congo, votre fin sera aussi tragique. C'est un message de votre compatriote.